bus. Yeah. How much is it? $1.50. Yeah. Yeah. Yeah, nice. Wow. My ex-wife had one, and she ran the thing till the engine blew up, and couldn't get it fixed. It was just too expensive. Too expensive. Yeah, it is. Have we a all great have day. A nice, fun time. Yeah, thank you. Ça, c'est ce qu'on appelle un changing room de luxe. Il voulait pas rentrer dans le bus, il avait plein de sable. Fait que ça, c'est parfait. Ouais, ouais, c'est parfait. On est à la plage Casper Sand. On est venu pour trouver des dents de requin. Mais là, on a vu qu'on n'est pas les seuls qui ont eu l'idée. Il y a un paquet de monde avec des trucs pour... Des tamis. Des tamis, tout ça, pour trouver les dents. Ils sont pas mal plus équipés que nous autres, oui, effectivement. Fait que on va quand même essayer d'en trouver. Il n'est pas habitué pantoute de marcher. Faut qu'il s'y réadapte à la van life. Il aime pas tant ça non plus. Mais il n'y a pas de choix. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de trouver au moins une dent de requin. J'aimerais s'en trouver au moins une. David est parti chercher sa petite tente. On a acheté une petite tente pour mettre sur la plage, voir s'il y aurait le goût peut-être d'aller dans la tente. Là, il est à l'ombre, il est bien. Puis aujourd'hui, pour vrai, c'est pas vraiment, tu sais, c'est pas chaud chaud. Là. On est quand même très très bien. Il y a un petit vent et tout ça. Mais on voulait pas le laisser dans la van parce que on veut l'habituer à sortir le plus possible. Là, il a peur du bruit des vagues et tout ça. C'est normal, c'est sa première fois. Fait qu'on va voir comment ça se débrouille, comment il se débrouille avec sa nouvelle tente. On n'a pas réussi à trouver de
dedans de requin, fait qu'on s'en va. C'est une légende urbaine pour moi. On est sûr que c'est pas vrai, là. C'est un attrait touristique, puis on s'est fait avoir. Ben non. On fait juste changer de spot parce que... On continue notre route, en fait, parce que... C'est pas évident pour le minou. À la plage, c'est sa première fois. C'était pas facile. Fait qu'on a décidé de rester moins longtemps, faire nos petites affaires, puis il y avait une douche. Fait qu'on en a profité aussi. Puis là, ben, on continue notre route. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup filmé parce que, en fait, on n'a pas beaucoup dormi. Tig a miaulé toute la nuit passée, genre non-stop toute la nuit. C'est la première fois qu'il nous faisait ça. Puis on était couchés, reculés derrière comme ça, dans un Cracker Barrel aussi, dans un restaurant Cracker Barrel. Mais la lumière, le spot de lumière était direct dans notre fenêtre. Fait qu'on avait spot dans les yeux, le chat arrêtait pas de miauler. C'était comme une journée bof, là, maussade. En fait, c'est ça. Il a aussi miaulé toute la ride qu'on a faite parce que là, on est parti mercredi de Tampa. On est parti, on avait fini toutes nos choses. David attendait un dernier colis. Il est arrivé, fait qu'on est parti, il était 4h30. On a commencé à descendre. On a dormi dans un Cracker Barrel aussi, à Saint-Pete. Mais c'est ça. Ça peut pas tout le temps être cool, là, mais là, c'était vraiment pas cool. Je pense que ça devrait bien dormir. C'est plus noir, un peu. Pas de bruit de génératrice, pas de lumière. Ouais, mais il y a sa génératrice qui ronde, mais là, tu l'entends pas. J'ai levé ma fenêtre. Plus loin, là. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Tant que le chat, il est mort, raide, il dort. On l'a brûlé à la plage. C'est vrai. En plus, on l'a amené à la plage. Puis ça a pas bien été non plus à la plage. Fait que c'est ça, c'est comme une journée vraiment, vraiment bof, mais c'est pas grave. On trouve toujours un positif dans la journée. Puis là, le positif dans la journée d'aujourd'hui, c'est qu'on a trouvé une plage avec un stationnement gratuit, puis il y avait une douche. Puis on a pu remplir nos bouteilles d'eau. Fait que tu sais, c'était comme ça, c'était parfait. C'est notre point positif. Dormir propre. Ouais, dormir propre, c'est vrai. Mais là, on est fatigué. Fait que je vais nous faire un petit sandwich, puis demain, ça va être une meilleure journée. Fait que à demain! Netflix and chill.